La parole est à la défense. Monsieur le juge, messieurs, dames, les juristes, les jurés, il est con. Mon client n'a rien fait. Oh. Il n'est. Hein? Mon client n'a rien fait. Il n'est pas coupable. Il était même pas là le jour où il a assassiné la cliente de mon collègue là. Hein? Tu dis des conneries, il n'était pas là. Hein? Alors, monsieur le juge, écoutez-moi 5 minutes. Messieurs, dames, les jurés aussi. Oui. Oh, objection, votre horreur. Il dit n'importe quoi, l'autre con, là. Des délires. Monseigneur, permettez-moi de vous faire remarquer que mon client a un casier vierge. Comme votre fille, sa majesté. Vierge. Alors, sa seigneurie, je vous signale que j'ai ici les preuves de qu'est-ce que j'avance. Oula. Mais j'avancerai pas parce que j'ai peur de tomber. Mais ne jugez pas les gens comme ça, mon empereur. Il a une bonne tête, mon client. Ah, il est tout mignon. Monseigneur, si j'ai décidé de défendre cet innocent, eh ben c'est parce que... Bon, il m'a payé l'apéro, mais aussi parce qu'il est, innocent. Ah, dans la gueule. N'importe comment, vous pouvez pas le condamner à mort, mon client. La peine de mort, elle a été anoblie. Hein? Amolie, ouais, alors... Monsieur le procureur de la génétique, messieurs les jurés, si vous pensez que mon client il est coupable, tapez 1. Si vous pensez qu'il n'est pas coupable, tapez 2. Mais vite avant la fermeture des bistrots, là, parce que... Objection, votre honneur. Hein? Pourquoi je dis ça? Je sais pas, ils le disent dans les films.